Ça va faire 2 ans, le 17 juin, que notre fils Florian est décédé. Florian est mort à 17 ans, asphyxié dans une discothèque sous 2 mètres de mousse. Aujourd'hui, son père se bat pour réglementer ce type de soirée. À Vars, il fait le tour des commerces avec sa pétition. Ben, l'accroche, la première, c'est justement alerter le maximum de personnes sur les dangers de ce style de soirée. Leur montrer et leur dire également le vide juridique qui entoure toutes ces soirées. La pétition a été lancée il y a 3 semaines. Patrick a déjà recueilli 1400 signatures. Il a aussi écrit à une quarantaine de députés. Son objectif, sécuriser les soirées mousse avec des propositions très concrètes. Ça va du bracelet fluo au poignet, avec des systèmes de détection en cas de chute, d'aspiration de mousse, et surtout limiter cette hauteur de mousse qui est, à notre sens, la première des raisons que notre fils n'est plus là aujourd'hui, quoi. 2 ans après les faits, la discothèque en question a fermé. Dans l'agglo grenobloise, les soirées mousse se font extrêmement rares. Une quarantaine d'années qu'on n'est pas monté en DA et ce serait dommage de ne pas monter. Le GF38 est à nouveau pendu au verdict de la DNCG. Dans les rues de Grenoble, on commence à douter sérieusement des dirigeants japonais du club. C'est un problème de 7 millions d'euros. S'ils avaient voulu combler, trouver la solution, ils l'auraient fait depuis un moment, parce que ça fait un moment que ça traîne. Donc à mon avis, je pense qu'il y a... Et il y a peut-être certaines personnes qui font pas les efforts nécessaires pour pouvoir monter ou trouver l'argent. Du côté des groupes de supporters, même malaise, on évoque une gestion financière catastrophique. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une ouverture du capital qui permettrait à d'autres investisseurs de rentrer dans le capital et qui pourrait donc apporter plus de stabilité avec un autre regard sur la gestion du club. Le délibéré de la DNCG sera connu au plus tard le 25 juin. Les dirigeants du GF ont moins de 2 semaines pour apporter des garanties aux gendarmes du foot professionnel. Bonjour, c'est Marge. Bonjour, c'est Omer. On se retrouve dans 2 minutes. Sur le web JT de Grenews. À bientôt. On se fait chouchouter, on est dorloté. Il y a plein de filles qui rêveraient d'être à notre place quand même. Derniers essais avant le jour J. Samedi, ces modèles amateurs se disputent le titre de Miss Grenoble 2008. Un défilé pour mettre le pied à l'étrier, en beauté comme au JO, l'important c'est de participer. C'est vraiment une grande première pour moi, tout ce qui est défilé, tout ce qui touche au mannequinat en fait. Et puis j'aimerais découvrir vraiment ce monde et puis voir ce que ça peut m'apporter. Le concours Miss Grenoble, question style, ça n'a rien à voir avec Miss France. Go, 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 go. Au départ, il y avait 98 candidates, les internautes ont tranché, 11 filles ont été retenues pour la grande finale. On n'a pas de critère, absolument aucun critère de sélection en termes physiques. Cette année, on s'est imposé un léger critère supplémentaire, parce qu'on avait beaucoup de demandes à traiter, qui était de produire ou de fournir des photos de qualité correcte. Samedi soir au Casino du Riage, nos Miss défileront devant un jury 100% grenoblois. À la clé, un voyage et un book photo, il faut bien un début à tout. Les Simpsons débarquent dans les Alpes. À Annecy, le festival du film d'animation bat son plein jusqu'à samedi. Cette année, ils mettent à l'honneur les personnages de dessins animés les plus connus au monde. Reportage avec Laurent, Krusty Blanchard. Hello. Quand Matt Groening, le papa des Simpsons, se prête à une séance dédicace, la foule est forcément au rendez-vous. Les Simpsons, c'est une série que je regarde depuis que je suis tout petit, donc ça fait quelque chose, quoi, forcément. Matt Groening est cette année le président du jury du festival du film d'animation. Alors côtoyé de si près le créateur des Simpsons, ça suscite des vocations. Ouh, un donut. Oh merde. Ouh, pinaise. Vous l'imitez super bien, hein. C'est vrai? En fait, je suis Philippe Pétieux. D'accord. Et oui, c'est moi qui double Homer depuis presque 20 ans maintenant. Les voix françaises d'Homer et Marge Simpson sont aussi les invités du festival. Un week-end en amoureux, car les deux sont ensemble à la ville, comme à l'écran. On s'est connus sur le casting, Véronique et moi. Depuis, on s'est mariés, on a fait une petite fille.
Et voilà, c'est une belle histoire. Non, il ne s'appelle pas Lisa. Non. Ces Simpsons, plus vrais que nature, sont présents sur le festival du film d'animation d'Annecy jusqu'à samedi. Au revoir, Green News. Nous ne sommes pas dans les années 20, mais bel et bien en 2008. Jusqu'à dimanche, l'association Grenoble Swing organise une grande rencontre internationale entre swingers fous, les lieux, les horaires et le programme complet en page d'accueil de grenews.com.